Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on démarre direct sur les chapeaux de roue avec l'épisode 17 de Spider-Man 2, 4K 60fps. Croyez-moi, dès que je vais appuyer sur retour au jeu, ça va swinguer évidemment. Et oui, parce que maintenant on a le symbiote en nous, ça risque de piquer tout simplement. Allez, on est parti, on reprend directement la suite de l'épisode 16. Allez, hop, ça, c'est fait, ça, c'est fait, et maintenant, on va juste leur casser la gueule. Ah oui, on met des vraies patates, par contre, hein. Waouh, aucune pitié, en fait. Ah non, mais les armures, on s'en bat les couilles. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Quel dommage pour lui. Oui, ma voix, j'aime. J'aime les amis, j'aime. Oh je vais être le méchant, Je vais non seulement être le méchant, mais en plus de cela, oh, je vais éclater toutes les gueules que je croise. Ah wesh. Quoi ce délire? MJ, j'arrive. Qu'est-ce que tu es? Suis le lézard. L'araignée est à moi. Faites pas cette tête-là, je vais bien. Je veux bien un peu d'eau. De l'eau, tout de suite. Alors, le costume à soigner t'a... Ouais. Ça veut dire que sans, tu es... Ouais. Ok. Il faut trouver le moyen de remettre ce costume à Harry. Comment t'as fait pour me le donner? J'en sais rien, c'est... C'est arrivé comme ça. Ok. Je vais essayer. Vite, il y a un truc dans ta... Ah oui, c'était une sacrée lame. C'est parce que... C'est quoi ça? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Laisse-moi réessayer. Je sais pas comment faire. Il faut qu'on trouve le docteur Connors. Le souci, c'est que... Ouais, c'est un méchant reptile pour l'instant. Craven. Le sérum. Il l'avait autour du cou. Il l'a utilisé sur le docteur Connors. Si on trouve ce sérum, on pourrait l'analyser et se servir de cet équipement pour fabriquer un remède. Oui, et rendre sa forme humaine au docteur Connors. Je m'occupe de localiser Craven. Ça m'étonnerait qu'il soit encore aux eaux. Heureusement pour nous... Il a laissé ça derrière lui. Ok. Bon. Bah écoutez, je suis le Spider symbiote. Oh, ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Ça va être quelque chose. Hein. Une nouvelle tenue. Il y a un prêteur sur gage à l'hôtel Odessa spécialisé dans les artefacts rares. Dans le genre de scrito. J'ai été traumatisé. Très bonne idée! C'est curieux, mais... Je me sens plein d'énergie! Ça me fait... M'a fait pareil. Comment ça marche, ce truc? Honnêtement, je peux pas t'expliquer. Genre, je pense et le costume m'écoute. Ok! Ça m'aidera peut-être à trouver Craven et son sérum! Essaie de pas le laisser te poignarder, cette fois. D'accord? Je préfère éviter, en général. Ça va aller, promis!
Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a à droite? On a des portails à la con. On a un truc là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Et on a aussi des points de compétences. Eh bien, vous savez quoi? Ça va partir en points de compétences, voilà. Ça va partir en points de compétences, vous l'aurez mérité. Oh non! Ça enclenche l'histoire principale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chasseurs, ils n'arrêtent pas de venir ici. Désolé de ne pas avoir été là. J'aurais besoin de renseignements sur ce vieil objet. Ce truc, il a bien failli me tuer. Ah, je peux rien pour vous. J'ai déjà vu ce symbole. Allez-vous-en! Attendez, je peux vous protéger des chasseurs. C'est pas eux qui me font peur. Je pensais avoir laissé ça à Volgograd. Les feux ont été allumés. On est dans sa jungle maintenant. Kraven? Kravinov. Les feux ont été allumés. Pete! MJ me dit que t'as failli mourir! Tu vas bien? MS, je me suis jamais senti aussi bien. J'aurais dû être! Attends, pour de vrai? Je t'assure! Je te rappelle, j'ai des feux de camp à éteindre. Okay. D'accord. Bon, tu crois que ça va être très cool ce qui va se passer là. Regardez. Ce festin, c'est plus pour nous que pour lui. Mais on sait jamais. Le rassemblement est important. C'est regardez un rituel à quel point ça va être cool. La toute première chasse. Ça m'étonne que Kraven s'intéresse aux traditions. C'est la seule chose qui compte à tout. Bon, c'est pas si cool que ça. C'est pas si cool que ça, on va s'en... Putain, dommage, je voulais proposer une petite phase d'infiltration, je kiffe. Ok. Waouh, je ne vois que dalle. Désolé les gars. Je suis devenu aveugle. Ok. Je sais que ça allait être encore plus énervé que ça, mais c'est ok. Ok, superbe. De gueule. Qu'est-ce qu'il faisait là-haut? Cet éclatage de gueule, c'est quelque chose. Hein. Inspecter les feux de camp. Ouais, mais ça, j'ai bien compris ça. Mais il y a des châteaux d'eau. Ok. De la vodka de Volgograd? Je crois qu'ils font un genre de banquet. Je me demande ce qu'ils font. C'est un peu vexant que Kraven n'ait pas pris la peine de m'inviter. Mais bon, je m'arrête pas à ça. Ok. Allez, ça c'est fait. Bon, c'est pas terminé les amis. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Pourquoi? Parce qu'il est temps de se pimper un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Tiens, tiens, tiens. Il manque des jetons de héros, très bien, ok, pourquoi pas, il manque des jetons de héros, très bien, ajoute une troisième barre de concentration, je veux. Ça c'est juste incroyable, c'est nécessaire et c'est quasi obligatoire. Pièce high-tech, ok, en termes de gadgets, on est un petit peu bien aussi, hein, on va pas se mentir. Et il me manque beaucoup de jetons de héros, bordel. Et en compétence, on a un point de compétence qui est, et je vais me le mettre tout de suite, L1 triangle pour lancer une frappe qui regroupe tous les ennemis projetés en l'air. Voilà, donc c'est à ça que ça servait. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. En plus, on a augmenté un petit peu notre vitesse de balancement, ça fait plaisir. On se fait des petits plaisirs comme ça. Waouh, c'est tellement stylé. Cette fête est encore plus grandiose que ce qu'on avait préparé, le lézard. Est-ce que tu crois que... Je l'ai suivi dans sa traque. Alors? Et à chaque fois, il y a la déception dans son regard. Alors? Mais là, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors, on peut te voir... Comment
l'avantage du sniper, c'est qu'un sniper apparemment regarde le sol. Et ça, ça fait plaisir. Très bien. Ok, allez, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Et merde. Non, c'est bon. C'est passé là? Et ben les gars, qui l'eût cru? Et merde. Oh! On voit des gens habiter dans les... C'est incroyable! Allez, ça dégage. Rien à piquer. Yo. Non, quoi. Allez, ça dégage. Le clébard. Il va pas nous casser les couilles. Allez, je peux essayer ça sur toi. Waouh. Waouh. Ok. Allez, ça dégage. Mort, j'ai dit. Ben voilà. Finalement, tout va bien. Voyons ce qu'il manigançait. On voyait des gens habiter, mais c'était trop bien. Ah oui. On est dans l'ultra-violence. J'ai cru que ça allait jamais s'ouvrir. Ok. Font venir d'autres produits de luxe depuis Volgograd pour cet événement. Ok. Ces cargaisons doivent arriver près d'ici. Y a pas d'aérodrome ici. Mais peut-être sur les docks. Y aura peut-être des indices qui mènent à Craven. Allez, on y va. Ouh, ça va me plaire ce qui va se passer, les amis. Me fais pas répéter. Je vous l'ai dit, tout est là. Où est le reste de notre cargaison? À l'aide. Il a besoin de mon aide. Au secours. Ok. Didali. Tu as du cran de voler, Craven. Allez, toi, mon frère, viens avec moi. Voilà. Ensuite, les amis, on va passer à vous, si ça vous gêne pas. Je pense que ça vous gêne pas, parce que vous êtes... bien élevé. Pourquoi Craven fait tout ça maintenant? C'est complètement absurde. Personne t'entend crier. Ok. Un coup il chasse les super vilains et un coup il organise des fêtes. Harry a pas dû y aller de main morte aux zoo. Ok. Très bien ça. Ça y est, on a 3 barres et ça, ça fait extrêmement plaisir. Je peux vous dire que là, on a de quoi se taper des bonnes barres, comme on dit. Ok. Ça me paraît pas mal. On va s'occuper de lui, après on va foutre une autre toile là, derrière. Et comme ça, niveau sniper déjà, on est très très bien. Viens par ici. Heureusement que, apparemment à New York, on lève jamais sa tête. Allez, oh, monsieur, c'est... tout va bien ? Waouh ! Ça c'est stylé. Ok. Oh super! En voilà d'autres! Tenez! Ah. On va livrer la cargaison à votre chef!
Dites-moi seulement où je peux le trouver. Dommage, ma toile est passée à la toile. Ok. Allez, mort. Voilà, ça dégage. Je devrais aller voir le docteur. Bon, ça va, mon Kay? Qu'est-ce qui t'arrive? Doucement, doucement. Vous êtes dans un sale état. Alors, on s'est fait tabasser. Hôpital, pitié. Il y en a un, pas loin. Pas toi qui décide, ok? J'emmène à l'hôpital si je veux. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De la marchandise. C'est perdu en chemin. Et ils ont cru que je l'avais prise. Et ben voilà. Allez, dégage, je vais plus te voir. Vous êtes à l'abri maintenant. Bon, où est le point de déchargement? 718 Kent. Oh, encore lui. Je me demande comment va Harry maintenant qu'il a plus le costume. Ouais, mon pote, comment tu te sens? Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Kraven ou Kravinov organise une petite fête au 718 Kent. Je pensais y faire un tour. Ça ressemble à une sorte d'assaut. Minute, j'y suis presque. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde ce soir. Pourvu que notre VIP soit là. Ils sont plus nerveux que d'habitude. Te fais pas remarquer. Comment tu concentrais? Par la cuisine. Sape-toi mieux alors. Le Peter Parker classique, ça passera pas. C'est pas de veine, j'ai laissé mon costard au pressing. Hein? Je suis un espion. Un speeder espion. Eh, hey, tu m'avais pas dit que ton costume pouvait se changer en costard? Ah, ça me l'avait jamais fait avant. Eh, toi! Viens par ici. C'est pour le garde du corps de Monsieur Kravinov. Son garde du corps? Il s'appelle Dima. Dépêche. Ah, tu viens de prendre ton service. Ouais. Je te laisse travailler. Y a plus qu'à trouver Dima. C'est parti! Ok. Faut pas les faire attendre du nerf! C'est bien, il y a vraiment plein de phases de gameplay différentes. Ça me donne faim de voir tout ça. Oh là 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 là. Ok, ok. Très chic. Je me fonds assez bien dans le décor. Et je me sens en pleine forme. Ça veut dire que j'aurai ma blessure quand le symbiote va partir, en fait. Moi. Intéressant comme choix. Ça lui rappelle chez lui. Ok, non, c'est pas ici. Sa peau s'est couverte d'écailles. Continue ou je te brise les os. Ça peut pas marcher, une fléchette d'il y a 3 siècles. T'y connais rien du tout, arrête. Bah, t'as qu'à me montrer. Je vais te montrer avec lui. Oui. Oh. Tiens-le. Ouais, laisse-le se tortiller un peu. C'est un vieux poison, et tu sais même pas comment on sert de ce truc. Le véritable chasseur s'adapte. Non. Dors bien, l'ami. Ces chasseurs étaient barges. Et c'est fou que le costume m'ait écouté. Si seulement ma tenue avait sur l'interface neurale, je penserais avec Harry, je serais un héros, et je prendrais des vacances. Tout ça à la fois. Oh waouh, vente aux enchères. Ça doit être le maître d'hôtel près du podium. Est-ce que l'un des porte-boucliers est arrivé? Oui, il est à côté, au coin du feu. Monsieur Kravinov sera-t-il des nôtres ce soir? Il reste encore certains, parfait. Ah, Kraven n'est pas ici. Porte-bouclier? Ça me fait penser à un garde du corps. Oh là, c'est tellement magnifique par contre les architectures comme ça. C'est vraiment quelque chose.
Ok. Oh, waouh! C'est quoi ce délire? Ça doit être lui. Votre repas est servi. C'est quoi ce machin? On m'a dit d'apporter ceci au garde du corps personnel de Monsieur Kravinov. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est moi? Ben, parce que vous êtes... costaud. Dima est affamé. Je te conseille de partir. C'est drôle. Justement, c'est ce que j'allais faire. Ok. On s'était trompé. C'est cette pièce-là qui regardait. Je dois trouver l'ascenseur. Si c'est on avait un ascenseur clé, quelle taille doit faire Dima? J'ai trop peur. Je refuse de continuer à servir ce type. Tu lui apportes son plat et tu t'en vas. C'est pas si compliqué. On verra si c'est toujours aussi facile. Chaud devant! Oh, pardon. T'excuses pas, dégage! Au devant! C'est un désastre! Oh, si tout n'est pas nickel, on va se faire tuer! Chaud devant! Non, non, non! Attends! Mais ça va pas de rester planté devant la porte? Je t'ai dit d'attendre! Sûrement pas! Bah, tu m'excuses, mais y'en a qui bossent! Allez! L'affaire, taisez-vous! On ramasse et on se remet au boulot, ok? Si je trouve Dima, on trouve Kraven et son espèce de sérum de lézard. Facile. Ok. Dis, par hasard, tu serais pas... Dima ? Oh. Voilà qui explique le menu secret. J'en connais un qui a l'écro. Un tigre. D'accord. Ok. On va trouver autre chose que du pâté d'araignée pour Dima. Ce steak doit bien être quelque part. Le voilà. Il y a bien quelque chose qui me conduira à Kraven dans ce bureau. D'abord, je dois virer le tablier. Ce chasseur est juste là. Il faut que je vise un truc pour détourner son attention. C'était quoi ce bordel? Un repas digne d'un tigre russe garde du corps. Oh, ça sonne bizarre. Je crois que je vais devoir modifier légèrement ce repas. Il n'est pas c'est le chasseur qui dort. Ok. Ils sont nombreux autour de ce chasseur endormi. Dodo, Dima. Toi, Peter, fais pas de bruit. Si ça marche pas, je vois que bon, c'est trop bon. Bah voilà. Mais chaud. Salut, Dima. C'est moi. Je t'amène un petit casse-croûte. Recette spéciale du chef Spidey. Moi. J'imagine que Kraven est trop cool pour sa fête. Je devrais fouiller au cas où il aurait rangé le sérum du lézard quelque part. Aucune trace du sérum du lézard ici. Mais ouais, c'est mais... quoi toutes ces potions? Je me demande si c'est ça qui le rend aussi costaud. Un
c'est pas que du vin. Je l'ai loupé de peu. Il a vécu plusieurs époques, est-ce il est mortel. Craven... J'avoue, en plus, je connais pas du tout l'histoire de Craven, donc franchement, j'ai hâte de découvrir. Les gars, Kravinov, il est tout en haut de l'arbre. Donc ça fait des années, des siècles et des siècles qu'il vit peut-être. Quand on est tout en haut de l'arbre, souvent c'est qu'on est le père du père du père du père. Ok. Pas de sérum. Ces médicaments sont utilisés pour les chimiothérapies à des stades avancés. Ils sont à Craven aussi ? L'heure est à la prière. C'est avec ces mots que ma mère ouvrait la chasse. D'autres passaient la nuit à se remplir la panse et à s'enivrer. Pas nous, pas les Kravinov. Pour nous, la chasse était sacrée, comme une mission divine. Les prédateurs obligent les faibles à devenir forts. Nous façonnons le monde, disait-elle. Réunis dans notre chapelle, à la lueur des cierges, nous partagions le pain. Nous laissions l'excitation nous prendre au trip, prêts à honorer les ancêtres dont le sang coulait dans nos veines. Bien qu'elle nous ait quittés, je perpétue la tradition, les feux ont été allumés. La chapelle a prêté, ce soir je prierai, je l'espère pour la dernière fois. La chasse est ouverte et je n'en reviens pas, et si je n'en reviens pas, je serai la heureux. La chapelle a prêté ? Sainte Sophia n'est qu'à quelques blocs. Craven y est sûrement avec le sérum. En route ! Mais en fait, il veut canner le man. Qui eût cru que la chasse était aussi existentielle ? Il a des lectures plus sérieuses que j'aurais imaginé. Rien de mieux qu'un peu de philosophie entre deux chasses. Bon bah écoutez, c'est très bien. Écoutez, on va pouvoir sortir. On va pouvoir sortir. J'espère qu'on pourra sortir sans décombre. Allez, bonne nuit, ma petite bibiche. Dors bien. Tiens, attends. Comme ça, Craven a un tigre de compagnie. Logique. Okay, je crois que j'étais trop gourmand. Dima. C'est parce que tu crois, chérie ? Gardez-le en vie! Bon, et ben décidément... Oh, quel costume! Fais voir de quoi t'es capable. Mort! Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça! Ok, je... La surcharge booste de manière très significative la puissance de vos attaques lorsqu'elle est active. Vous pouvez la déclencher lorsque votre jauge de sauvegarde est pleine. Et ben voilà, comme ça les deux peuvent le faire. Miles et et Peach Parker. Waouh. Ce truc, c'est exactement comment j'aime me battre. Je suis énervé à moi tout seul. Ok. Quoi ? Je pourrais m'y habituer. Waouh. Ok. Waouh. Désolé, je viens mettre fin aux réjouissances. Oh non, je suis un connard. Oh non, je me déteste. Le coup dans la nuque. Oh non. Ah, j'ai utilisé un triangle rond au lieu de me soigner.
Oh, c'est ma faute. Costume. Je mérite. Fais voir de quoi t'es capable. On est pauvre. Wow, Harry m'avait pas dit qu'on ressentait ça. Ok, ça j'ai compris, tu me l'as dit tout à l'heure. Oh, tellement fort. Ok. Allez, on va rester concentré. C'est exactement comment j'aime me battre. Réponse avec deux fois plus de force. Je suis énervé à moi tout seul. Ok. Père autour à l'envoyeur. Je pourrais m'y habituer. Ok. Allez. Désolé. Je viens mettre fin aux réjouissances. Libéré. Okay. Ça c'est bon. Tu vas pas tenir encore longtemps. Ça c'est bon. Comme ça. Toi, tu vas perdre. Toi. Oh là là, c'est trop chaud les frères. Okay. Mort. Mort. Et toi? C'est pas vrai, hein. Allez, c'est bon, c'est fait. C'est bon. Donc, t'as un problème qui persiste un peu trop, si tu veux mon avis. C'est bon. Ça, c'est fait. Je dois foncer à la chapelle. Bon, allez, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.